Also, jetzt kommt ein Video von Philipp Sagesser. Er wäre gekommen, wäre sehr gern gekommen. Er musste jetzt kurzfristig nach Frankreich wegen irgendeiner Geschichte, wegen einem Haus. War dringend. Und ja, jetzt hat er aber freundlicherweise ein Video gemacht. Also er wird Französisch reden, aber ihr habt Untertitel. Und jetzt kann der Techniker beginnen. Okay, kann's loslassen. Liebe okay. Landsleute, es ist für mich eine Ehre, meine Ansichten zum World Health Organization-Vertrag zu Pandemien und zur Änderung der internationalen Gesundheitsvorschriften mitteilen zu können. Bitte e entschuldigen Sie mir, dass ich nicht anwesend sein und mit Ihnen auf Französisch sprechen konnte. C'est en tant que médecin avec plus de 30 ans de pratique clinique et d'expérience dans le domaine de la politique de santé que je m'adresse à vous aujourd'hui. Nous sommes réunis pour revendiquer l'autonomie et la capacité de la Suisse à s'occuper de la santé de notre population et à dire non à l'extension du pouvoir d'ingérence de l'Organisation mondiale de la santé. De nombreuses raisons justifie le choix de préserver notre souveraineté et notre indépendance. Il y a encore trois ans, je restais sur une représentation vertueuse de l'OMS, celle d'une organisation fondée par des hommes aux commandes de destinées de nations souveraines, financée par les États membres, soucieux de coordonner leurs actions en partageant leurs compétences pour la promotion de valeurs universelles de paix et de santé pour leur pays et dans le monde. Cette représentation idéalisée n'est malheureusement plus une réalité aujourd'hui. Aux, or aux origines, l'organisation qui a précédé la création de l'OMS avait pour objectif la généralisation des mesures d'hygiène et de santé publique. L'amélioration des transports couplée au risque d'extension épidémique et l'avènement de la vaccination ont contribué à élargir le mandat de l'OMS pour le déploiement de ces produits préventifs injectables et surtout commercialisables. L'intégration progressive d'une logique d'économie de marché à un système guidé prioritairement par des considérations éthiques aura été ces dernières décennies le défi principal des systèmes de santé. Aujourd'hui, des enjeux commerciaux envahissants créent un déséquilibre et menacent la prépondérance de l'intérêt général. C'est dans un contexte de financement de l'OMS, devenu très majoritairement privé, que s'inscrivent les amendements au règlement sanitaire international et le traité sur les pandémies. Ce déséquilibre entre apport privé et public, décrit comme un partenariat vertueux, est devenu dans les faits un jeu de dupes. Il confirme une dérive vers une logique de profit dans un système soumis tout entier aux lois d'une économie de marché. La crise que nous continuons de traverser a renforcé cette évolution. Les relations entre décideurs politiques et puissants acteurs économiques de la santé sont marquées par le saut des conflits d'intérêts et de loyauté. Ce qui est décrit pudiquement comme des liens d'intérêt cache mal l'asservissement des politiques publiques pour une maximalisation des profits pour les entreprises et investisseurs privés, souvent présentés comme favorables à la prospérité de la nation. En tant que clients de caisse maladie, contribuables et consommateurs de soins, nous participons bien docilement à la progression du chiffre d'affaires de l'industrie biomédicale et pharmaceutique, qui ne s'intéresse pas plus à l'économicité de la santé ou à la bonne santé de la population que de la paix pour le complexe militaro-industriel. Ceci est particulièrement vrai s'agissant des injections à RN messager promues par l'OMS. Commandée en excès est sans garantie, sujette à une quantité inédite d'effets secondaires. Ceci n'a pas empêché la prise de bénéfices induits et démesurés aux fabricants, qui va contribuer à la hausse de nos primes d'assurance. Prenez conscience que cette soi-disant crise sanitaire mondiale, surestimée et surmédiatisée, gérée par la peur, représente le coup d'envoi d'un changement radical du système de santé celle où le pouvoir décisionnel et les intérêts des entreprises supplantent celui de nos dirigeants politiques. Le système ne vous sert plus, mais se sert de vous pour maximiser le profit dans le cadre d'un transfert de richesses jamais vu jusqu'ici. C'est ce modèle dénué d'éthique que les accords de l'OMS implémenteront s'ils sont ratifiés. D'une manière générale, L'enchaînement des crises qui se succèdent et ou qui se profilent, militaire, économique, climatique, énergétique, agroalimentaire, fait prendre conscience que la crise n'est pas que sanitaire. Elle est systémique. Le lien qui les unit est la prise de pouvoir d'une alliance de politiques au poste clé avec les grands complexes technologiques et industriels, big pharma, complexes militaro-industriels, agroalimentaire. Les méthodes employées ont pour nom corruption, trafic d'influence et fraude sur fond de propagande médiatique. On ne mord pas la main qui nous nourrit. Tel est le principe à partir duquel se déclinent toutes les formes de corruption, des plus grossières aux plus sournoises, qui engendrent finalement la perte d'indépendance, de liberté et de souveraineté, et qui englobe, selon l'étymologie du terme corruption, les mécanismes visant à briser, détériorer physiquement et moralement, comme s'emploient à le faire divers acteurs clés de pays occidentaux à l'égard des principes et valeurs fondatrices du droit et de nos modèles démocratiques. La marchandisation de la santé comme la financiarisation de l'économie ont accouché de monstres incontrôlables, pervers, qui détruisent la, la prospérité économique et la bonne santé de la population. Si les bénéfices engendrés par les injections à ARN messagers se chiffrent par dizaines de milliards, les traitements des effets secondaires et maladies induites se chiffreront à plusieurs centaines de milliards. Aujourd'hui, l'OMS comprend plus de 7000 collaborateurs. Elle est financée actuellement à 80% par des organismes privés et réalise ce que ses bailleurs de fonds attendent en retour. C'est dans ce contexte que l'Organisation mondiale de la Santé cherche à consolider son contrôle sur la santé mondiale avec son traité sur les pandémies et les modifications du règlement sanitaire international. Les négociations sur un accord plus contraignant lors de la pandémie pour la pandémie ont commencé le 1er mars 2022. Il prend appui sur l'article 19 de la Constitution de l'OMS selon lequel l'Assemblée peut adopter des mesures contraignantes pour tous les États membres. Il est entre autres soutenu financièrement par la Fondation Bill et Melinda Gates et par d'autres organismes privés. L'accord sur la pandémie accorderait à l'OMS un pouvoir bien plus important que les réponses à une quelconque pandémie. Il met l'accent sur l'agenda Une seule santé, qui combine la santé humaine, la santé animale, et les pré préoccupations environnementales en un seul. Dans le cadre de cet agenda, l'OMS aurait le pouvoir de prendre également des décisions concernant l'alimentation, l'agriculture et l'élevage, l'environnement et bien plus encore. Plusieurs démarches actuelles confirment cette approche qui offrirait à l'OMS d'intervenir largement avec l'alibi de protéger la santé. D'autres actions illustrent l'ingérence de l'OMS dans notre quotidien et dans l'éducation. Par exemple, le rapport de l'OMS de 68 pages relayé par l'UNESCO, les standards de l'éducation sexuelle en Europe, qui préconise un accompagnement actif à l'éducation des enfants au plaisir sexuel dès le plus jeune âge, au prétexte que la sexualité est présente dès la naissance principe dénoncé par de très nombreux experts comme une effraction violente et traumatisante pour l'enfant qui a valeur de mauvais traitement, pendant que dans le même temps est promu que l'identité de genre n'est pas innée mais se construit. Le directeur général de l'OMS a affirmé que ce nouveau traité n'affecterait pas la souveraineté de chaque pays. Ce qui n'est pas dit, c'est que parallèlement au traité sur la pandémie, de très nombreux amendements au règlement sanitaire international ont été proposés et sont en cours de négociation dans l'opacité la plus complète. Certains de ces amendements conféreraient une autorité sans précédent à l'OMS au point d'enlever la souveraineté des États. Parmi les changements proposés, les plus inquiétants figurent la suppression d'une clause obligeant l'OMS à tenir compte des libertés et droits humains fondamentaux, fondamentaux dans l'application du traité. L'OMS serait donc habilitée à mettre des exigences contraignantes pour les confinements, les masques, les quarantaines, les fermetures de frontières, les restrictions de voyage, les vaccinations obligatoires et d'autres mesures qu'elle juge appropriées, mais, même si elles devaient être contraires aux constitutions des États membres. Ces deux instruments complémentaires de droit sont actuellement en cours de négociation. Aujourd'hui, les délais pour nous opposer contre un ensemble d'amendements contraires aux principes de souveraineté des États arrivent bientôt à échéance dans l'indifférence générale. Il n'est pas acceptable que notre délégué à l'OMS participe et négocie dans l'opacité et en catimini des dispositions dont l'application sont potentiellement contraires à nos valeurs, à notre constitution et à notre souveraineté. La menace est très grande, il ne s'agit pas de conférer des compétences à une influence à l'OMS pour tenter de répondre aux défis de la santé dans le monde, mais d'accorder les pleins pouvoirs à une organisation qui suit l'agenda tyrannique d'investisseurs qui ont des intérêts économiques dans les dispositions et autres directives que l'OMS pourrait prendre. À terme, il ne s'agit ni plus ni moins de l'implémentation d'un totalitarisme mondialisé à l'ablibi sanitaire défini par des règles et fondé ni par le droit, ni par des valeurs, et encore moins par l'éthique. Dans ces conditions, l'OMS devient non seulement une menace pour notre souveraineté, mais aussi paradoxalement, telle qu'elle pourrait se développer, une menace pour la santé. Il ne serait plus alors une organisation mondiale indépendante au service de la promotion et du maintien de la santé des populations dans le monde, mais d'un outil entre les mains de donateurs qui attendent un retour sur investissement et utilisent cette organisation pour maximiser leur pouvoir et leur profit par l'intermédiaire de traitements préventifs ou curatifs plutôt que par la promotion de la santé. Je vous remercie de votre attention et vous souhaite une excellente journée. Voilà, merci Philippe Ségesser. Il est zwar in Frankreich. Herzigen Dank für seine interessanten Worte.